Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler du cadeau supplémentaire, donc le cadeau en trop que vous avez dans les cadeaux hivernaux. Donc moi j'ai pas encore ouvert tous mes cadeaux, donc je vais les faire, je vais les ouvrir. Et normalement quand j'aurai ouvert tous mes cadeaux, il y aura un bug qui m'affichera que j'ai encore un cadeau à ouvrir. Donc je vais faire ça tout de suite, je vais ouvrir tous mes cadeaux et on va voir si effectivement j'ai encore une notification disant que j'ai un cadeau dans Fortnite, dans les cadeaux hivernaux, on verra bien. Mais normalement, j'aurai le même bug que tout le monde. Donc, apparemment, le petit 1 qui s'affiche dans les cadeaux hivernaux pour dire que vous avez un cadeau supplémentaire à ouvrir, eh bien, apparemment, c'est un bug. C'est un bug qui s'affiche chez tout le monde. Et apparemment, c'est pas lié au crash qu'il y a eu des serveurs hier de Fortnite. Parce que hier, en fait, Fortnite a eu un crash des serveurs pendant plusieurs heures, hein, peut-être 6 heures, 3, 4, 5, 6 heures. Donc voilà, on pouvait plus jouer à Fortnite. Il faut savoir que il y a quelques temps, peut-être un an ou deux, ils avaient eu un problème comme ça aussi. Fortnite, les serveurs étaient en PLS. Et on a reçu en fait, on a tous reçu une compensation. Comme les serveurs étaient en PLS, ben Fortnite nous avait offert un sac à dos, si je ne me trompe pas. Donc c'est un petit sac à dos que Fortnite nous avait offert. Donc est-ce que Fortnite va nous offrir aussi un sac à dos cette fois-ci? Ou peut-être un skin, ou peut-être une pioche, ou une traînée de fumée, un aérosol, peu importe. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous offrir. Mais en tous les cas, ce que Fortnite a dit sur un tweet officiel, c'est qu'ils allaient compenser les erreurs, le bug de serveur qu'ils ont eu hier. Ils vont nous le compenser. Donc, est-ce qu'ils vont nous offrir des XP superchargés, un bonus d'XP gratuit? Est-ce qu'ils vont nous offrir un skin, un pack, un sac une pioche, une traînée de fumée ou quoi. On ne sait pas encore. Mais logiquement, on devrait le savoir dans plus ou moins une semaine. Si tout se passe bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant. S'il y a quelque chose de gratuit à récupérer, bien entendu, je vous ferai une vidéo directement dessus. Là, je finis d'ouvrir mes cadeaux. Il m'en reste combien là? Il m'en reste deux à ouvrir. Donc logiquement, ça c'est le dernier. Et il me reste encore un cadeau à ouvrir. Mais que je n'ai pas de cadeau à ouvrir. Dans tout le chalet, il n'y a plus d'autres cadeaux logiquement. Donc là, on va regarder. Je sors du chalet. Effectivement, j'ai toujours le petit 1, comme tout le monde a. Mais quand je vais dans le chalet, ben ici à gauche, j'ai plus de cadeaux. Non, effectivement, j'ai plus de cadeaux. Bon, ici, ça fait rien. Donc, on va aller voir à droite. À droite, ben, il n'y a pas de cadeaux non plus. J'ai tout ouvert. Ici. Qu'est-ce que j'ai ici? Des lamas. Non. Boule à neige. Donc là, il n'y a rien. Ça, c'est le petit quad. Le sergent Frimas. Le feu de camp. Bah, effectivement, ça a l'air d'être un bug parce qu'il n'y a aucun cadeau à ouvrir et à obtenir. On ne peut plus rien ouvrir. Donc, est-ce que c'est vraiment un bug? Ou c'est vraiment une compensation? Apparemment, ce serait juste un bug. Il y aurait pas, ce ne serait pas lié à la compensation qu'on va recevoir un autre cadeau pour une compensation des serveurs qui étaient offline hier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une compensation parce que Fortnite nous a dit qu'on aurait une compensation. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ben voilà, maintenant je vous ai mis au courant. Et j'espère que le cadeau sera de taille parce que ben, franchement c'était un peu chiant. Après des bugs ça arrive sur tous les jeux, hein, les serveurs en PLS comme ça arrive partout. Mais ce serait sympathique de nous offrir un petit cadeau. De toute façon Fortnite est très généreux je trouve. Donc pour ma part bien sûr c'est un avis personnel, je les trouve très généreux. Donc voilà, je pense qu'ils vont nous offrir un cadeau à la taille des serveurs qui étaient en PLS. J'espère juste que c'est pas des XP, parce que des XP, ben, on a full glitch d'XP en mode créatif, donc ça m'intéresse pas trop. Mais un petit skin, franchement, un petit skin, ce serait quand même pas mal. Bon, bien entendu, ils doivent trouver un skin qu'ils peuvent nous offrir gratuitement.
Ça va leur prendre peut-être une semaine, voire deux semaines, mais on va avoir quelque chose, ne vous tracassez pas et je vous tiendrai au courant. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoisCoolMec et ciao. Peace.